plusieurs joueurs de l'équipe de France, qui défendent actuellement les couleurs du pays à l'Euro 2024, ont réagi aux résultats des élections législatives anticipées. Soulagé de voir l'extrême droite arriver à la troisième place, certains ont fait part de leur joie sur les réseaux sociaux. Euro 2024, les Bleus évoquent l'actualité politique. L'actualité politique dans l'Hexagone ne laisse personne indifférent. Même les joueurs de l'équipe de France, qui attendent un match important à l'Euro 2024, n'hésitent pas à prendre la parole lorsque la situation l'exige. Il y a quelques jours, Ousmane Dembélé était sorti de son silence pour envoyer un message fort aux Français. Il avait lancé un appel à la mobilisation et au vote. Un message qui a fait écho à celui de son compère d'attaque, Kylian Mbappé. Jugeant la situation critique, le joueur avait demandé à ne pas voter pour le RN lors des élections législatives. On ne peut pas mettre le pays entre les mains de ces gens-là, c'est vraiment urgent. On a vu les résultats, c'est catastrophique, avait-il déclaré. À l'annonce des résultats le dimanche 7 juillet, les joueurs ont laissé exploser leur joie. Soulagés de voir le RN perdre du terrain, certains se sont saisis des réseaux sociaux pour féliciter leurs concitoyens. Les joueurs de l'équipe de France à l'Euro 2024 @AFP. Les réactions des joueurs aux résultats des élections législatives. De nombreux joueurs de l'équipe de France redoutaient de voir le RN dominer les élections législatives. Finalement, il n'en est rien, et c'est le NFP qui compte le plus de députés à l'Assemblée nationale. En effet, le parti politique a pu obtenir 180 députés à l'issue du second tour, contre seulement 163 pour le camp d'Emmanuel Macron et 143 pour le Rassemblement national. Des résultats qui n'ont pas manqué de faire réagir les joueurs de Didier Deschamps. Pourtant focalisés sur leur rencontre décisive face à l'Espagne, plusieurs internationaux français ont fait part de leur joie sur les réseaux sociaux. Jules Koundé, qui a offert une belle prestation en quart de finale de l'Euro 2024, a tenu à féliciter le plus grand nombre. Soulagé, le joueur a accueilli les résultats des élections avec une joie immense. Félicitations à tous les Français qui se sont mobilisés pour que ce beau pays qu'est la France ne se retrouve pas gouverné par l'extrême droite, a-t-il posté. De son côté, Ibrahima Konaté a publié des émojis de deux drapeaux français, des signaux de barrage, et un émoji qui applaudit. Une façon pour le joueur de féliciter tous ceux qui ont voté pour faire barrage au RN. Ousmane Dembélé a, lui aussi, réagi aux résultats des élections. En effet, l'attaquant du PSG a fait un post amusant. Toujours aussi blagueur, il a partagé un cliché de lui, tout sourire, pris lors de la fameuse rencontre PSG-Barcelone. Une photo que son coéquipier, Marcus Thuram, a repartagée. Enfin, Aurélien Tchouaméni, qui a lui aussi accueilli les résultats avec soulagement, a publié un message simple, mais très évocateur. « La victoire du peuple », a-t-il écrit.